Hello les végans, est-ce qu'on partirait pas sur une vidéo où on a échangé nos assiettes? Oui, ça fait longtemps et aujourd'hui notre invité mystère est Margot de la chaîne YouTube You Make Fashion. Je vous refais un petit peu l'historique des vidéos où on a échangé nos assiettes. Ça a commencé il y a genre 2 ans avec Maylo de la chaîne Maylove et j'ai enchaîné avec ma fitness girl préférée, Amandine Léger. Maintenant, on s'attaque à ma healthy girl préférée. Enfin, il y en a beaucoup, hein, je vais pas m'avancer, peut-être que j'en oublie. Mais en tout cas, Margot, pour la faire courte, on va échanger nos assiettes sur une journée, comme le titre de cette vidéo. Donc moi, je lui ai transmis un petit peu ma routine alimentaire, mes recettes, et vous pouvez la retrouver sur sa chaîne. Et sur la mienne, du coup, je vais manger comme Margot. Margot, c'est une personne solaire, j'adore son contenu, c'est varié, c'est très inspirant aussi, parce qu'elle traite de différentes choses, et en plus, elle est régulière, on sent vraiment la petite fibre capricorne en elle. Elle propose des vlogs, de la van life, et d'un point de vue alimentaire, elle fait souvent des journées dans mon assiette. D'ailleurs, elle a sorti 2 livres, Je suis Elfie, et les recettes Elfie de Margot, que je vous mettrai en description. Elle a une alimentation saine depuis des années, elle a fait un rééquilibrage alimentaire, et elle est végétarienne. Alors pas vegan, végétalienne, mais en tout cas elle se dirige vers ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu lui donner un petit coup de pouce. J'ai fait les courses, je suis prête et je vous mets d'ailleurs la vidéo de la découverte de la liste de courses. On a sur cette liste de courses déjà pain complet. J'ai un reste de pain donc ça fera l'affaire. Confiture de cerise noire, je sais même pas si je vais en trouver dans ma région. C'est peut-être basque d'ailleurs. Sinon pois chiche, piqué au sambocal, c'est des petits poivrons, tomates concassées, sauce tomate. Après on a tout ce qui est crudité, salade croquante, oignon rouge, radis, champignons de Paris. Là aussi, un ingrédient que je ne sais pas si je vais trouver facilement. C'est 10 de petits poivrons verts appelés piment padrone. Ça me dit rien comme ça, mais peut-être chez Grand Frais. Poivrons surgelés en lamelles, ça c'est bien pour respecter la saison. Purée d'amandes, chicorée de la marque Nouré, elle aime bien. J'en ai jamais bu. Donc ça tombe bien Margot, je vais pouvoir découvrir la chicorée, enfin, il était temps. Farine de blé et de maïs, alors j'ai pas de farine de maïs, c'est vrai que c'est pas une farine que j'ai tendance à utiliser, mais elle apporte un petit côté biscuité qui peut être pas mal. Je la vois bien avec la confiture de cerise noire, je pense que c'est un petit goûter comme ça. Fromage vegan en tranche type emmental, ok, donc ça je vais trouver plutôt chez Leclerc ou chez Carrefour. Et après on a toute une liste qui me fait penser au poulet basquaise en version végétale avec aiguillette, piment d'espelette, branche de thym, de laurier. À mon avis, ça sent le soja basquaise. Du riz et des amandes, pourquoi pas. Je vois que tu mets riz semi-complet ou blanc complet. Ouais, on va partir sur du blanc, du riz basmati. J'avoue, j'ai un petit peu de mal avec le semi-complet. Donc pour le coup, il y aura un peu moins de fibres et ce sera meilleur à mon goût. On commence par cette petite vidéo pour démarrer la journée. Coucou Marion, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi j'avais trop hâte de tourner ma vidéo. Du coup, c'est déjà fait. Je me suis régalée, j'ai hâte de partager la vidéo avec toi. Par contre, c'était pas du tout une bonne idée. Maintenant, j'ai une pression jusque-là. Donc, je te propose de te partager mon assiette, mais via les saveurs de ma région. J'espère que tu es prête pour ce voyage. Ça, c'est ce que j'avais compris en lisant la liste de courses. Est-ce que j'ai un petit déj de prévu? On va voir ça tout de suite. Contrairement à toi, j'adore petit déjeuner. Donc c'est comme tu veux, je t'aurais glissé mon petit déjeuner idéal, mais pas d'obligation, surtout qu'il y aura une collation tout à l'heure. Par contre, j'accompagne toujours mon petit déjeuner d'une chicorée avec du lait végétal. C'est mon petit péché mignon pour commencer la journée et avoir la pêche pour travailler. Donc je te propose de goûter ça. C'est parti. Bon, ça tombe bien, c'est un petit peu tard, puis j'ai faim parce que j'ai pas trop mangé hier soir en prévision, parce que je me doutais qu'il allait avoir un petit déj de prévu. On va enfin pouvoir goûter à cette chicorée. J'ai trouvé qu'un gros pot comme ça, hein, donc si j'aime pas, eh bien écoute, j'ai envie de dire tant pis, je te l'enverrai sinon. La chicorée, c'est toujours instantané parce que j'ai pas trouvé de grains, je sais pas. Bah, ça sent bon, ça sent comme le café. Et ce lait végétal, je sais que Margot l'aime beaucoup, donc j'ai fait exprès de le prendre. Je le sais parce que je la suis aussi sur TikTok, elle fait un contenu exclusif, spontané, avec des petits tests recettes, des retours de courses, des choses comme ça, donc je vous invite à la suivre aussi là-bas, et je le connais, je sais qu'il est très bon. Et du coup pour le petit déj, elle m'a dit qu'elle prenait 2 tranches de pain complet, alors là c'est du pain de petite épeautre, une purée d'oléagineuse genre amande complète, donc là j'en ai un petit peu 2 qui sont originales, c'est une crème d'amande grillée, cannelle, vanille, mais un petit peu de sucre dedans. On va peut-être se diriger plutôt vers celle-ci, c'est une nouveauté, c'est la purée de crème de souchet en fait, avec un peu d'huile d'arachide, et j'ai déjà goûté, il y a un petit peu de crunchy, c'est pas mal. Une banane écrasée par-dessus, et voilà, on est bien. C'est les matins chicorée. Il n'y avait pas une pub comme ça, là, quelque dans les années 90. Mais je suis sûre que j'ai dû goûter quand même dans ma vie quand j'avais, je sais pas, 8 ans. Là, comme ça, ça ne me dit rien. 3 cuillères à café plus ou moins généreuses dans votre tasse, et puis après, soit de l'eau, soit du lait. On va y aller.
Voilà. J'ai ma grosse tasse RuPaul Drag Race, enfin Drag Race tout court, qui m'accompagne presque chaque matin. Là, au moins, on peut en mettre de la boisson. D'ailleurs, en ce moment, je regarde Drag Race Belgique. Je sais pas si c'est ton cas, je veux pas te spoiler. Il y a quand même une de mes favoris qui est un peu partie, là. Donc, voilà, c'est tout ce que je dirais. Un peu les boules. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je fais chauffer, en fait, pour faire mousser mon lait, je le fais chauffer comme ça, sans le métal, au micro-ondes. Après, je le remets comme ça dans son petit habitacle et je viens presser. Pas besoin de mousseur à lait comme ça. Enfin, après, c'est très bien les mousseurs à lait aussi, hein, mais enfin, c'est manuel. On va même faire un latte art dans la chicorée. Ah non. Crash test. Crash test. Crash. Non, mais c'est impossible à dire. Crash test chicorée. Action. C'est bon, c'est un petit côté caramel. Ça me fait plus penser à la caroube qu'au café. Ouais, franchement, c'est pas mal. Bon, ça, je connais, c'est toujours une valeur sûre. Et là, le petit twist quand même, c'est qu'elle a pas mis des tranches de banane parce qu'elle a écrasé sa banane. Un peu plus gourmand, ça fait un peu façon confiture. Et là, pour les personnes qui veulent remplacer le beurre le matin sur les tartines, au lieu de prendre de la margarine, ce que vous pouvez faire, c'est un peu plus ça ressemble, mais c'est moins intéressant nutritionnellement, eh bien, c'est vrai que la purée d'oléagineux, c'est super. Vous la prenez sans sucre, vous pouvez varier les plaisirs et en plus, c'est un goût sympa. Moi, j'adore. Pour le déjeuner, je te propose de découvrir un grand classique du Pays Basque, la taloa, avec une salade de crudités. Vive le printemps, les crudités sont enfin de retour. Le tout avec évidemment du piment d'Espelette. Bon appétit. Ouais, bah on va découvrir ça, je connais pas du tout. Alors le taloa, je connaissais pas du tout, mais ça a l'air d'être comme un wrap, mais avec de la farine de maïs, de la farine de blé. Ouais, comme une petite tortilla en fait, et que tu viens garnir avec ce que tu veux. Donc là, elle a prévu fromage vegan, sauce tomate, huile d'olive, piment d'Espelette, et puis la petite salade de crudités à côté. J'ai préparé tout ça et on va se régaler, je pense. On commence par les taloas, j'ai mis de la farine de blé et je vais ajouter la farine de maïs. J'ai l'impression que les taloas, c'est au Pays Basque ce que la soca est au sud, à Nice. La soca est à Nice. Faut pas que j'oublie parce que sinon les mousseurs ils vont me dire mais c'est à Nice. Petit à petit, j'ajoute l'eau tiède. Il faut que ça fasse une pâte, de ce que j'ai compris. Pas que ce soit trop liquide non plus. Hein. Voilà, là, je pense qu'on est bien. Texture un petit peu pâte à modeler, toujours, avec la farine de maïs. Je trouve que ça fait ça. Ça me fait penser à mes wraps que je fais maison, mais j'utilise de la farine de maïs nixtamalisé. Donc là, on laisse un petit peu la pâte reposer et on s'attaque à la salade. Ce que j'aime bien, c'est que Margot, elle a prévu pas mal de choses dedans. Voilà, pas juste une petite salade croquante. On va avoir le radis, les champignons, un petit peu d'oignon rouge et les pois chiches pour amener des protéines, justement. Sans oublier les poivrons d'El Piquillo, toujours le côté basque qui ressort, et bien sûr la sauce au piment d'Espelette. Je sens que ça va me plaire, ça. Ça me fait penser à, oui, c'est ça, au poivron un peu que j'utilise dans mes façons saumon. Parce que je trouve qu'il y a quand même un petit côté visqueux comme dans le saumon. Bon, après, c'est mon imagination de vegan hein, qui fait ça. Toujours une petite préférence pour les champignons bruns, plus fermes et plus savoureux. Tu vois, là, j'ai coupé les oignons rouges très finement. Je te conseille de faire pareil si tu les utilises en salade parce que c'est plus agréable en bouche, déjà que c'est fort. Si en plus t'as des gros morceaux d'oignons comme ça, ça va pas le faire. Pareil pour le radis, n'hésite pas à le couper très finement comme ça. J'en profite pour dire que j'ai balancé une recette sur Insta de tartinade de radis, un peu façon tzatziki. Oh, j'avais appris à le dire, putain. Tzatziki, voilà, c'est comme ça qu'il faut le dire. Mais je crois que je l'ai mise aussi en short sur YouTube, donc tu peux la retrouver et ça change de simplement le manger à la croque comme ça. Et nos protéines végétales, les pois chiches comme ça, froids en salade, c'est trop bon. Prenez des bons pois chiches, hein. Pas le peut-être le premier prix, là, les pois chiches qui sont tout petits, mais plutôt des gros pois chiches, plutôt dans les bocaux en verre. Et comme ça, même froid, c'est très bon. Voilà, le piment d'Espelette, il est beau, il est neuf, il est vif. Donc là, je vais essayer de faire 4 doses à peu près égales. J'huile un peu ma poêle, elle est chaude. Les Basques, vous êtes fiers de moi là, j'espère quand même. Margot m'a conseillé de mettre de la sauce tomate. En plus, là, j'en ai trouvé une saveur basilic, donc ça va rajouter du goût. Et j'ai trouvé aussi des tranches saveur émental, comme elle voulait. Habituellement, je préfère quand même la marque VioLife, mais là, Nourish, elle est pas mal aussi. Mon deuxième essai sera mieux. Là, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu épaisse quand même. Elle est très bonne ta salade Margot, c'est validé carrément. On va passer au taloa, premier essai, deuxième essai. Franchement, je trouve quand même que le deuxième, il y a de l'amélioration. On va directement goûter le deuxième, mais j'ai l'impression normalement qu'il ne devrait pas se casser. Alors peut-être que je devrais rajouter un chouïa, plus d'eau, plus d'humidité, qu'il y a un petit peu de sécheresse. J'aime bien le goût en tout cas. Margot, faudrait que tu viennes à la maison pour les faire parce que là, j'ai l'impression qu'ils sont encore trop épais. Après, je sais pas. Je sais pas comment ça se mange. Avec la salade, ça permet d'avoir un petit truc un petit peu différent, du pain avec les tartines ou alors de l'omelette ou de la soca, des choses comme ça. Et franchement, c'est validé. Enfin, c'est validé à moitié quand je réussirai. Mais j'en suis sûre que c'est bon. Je finis de manger. C'est 14h en plus, donc je commence à avoir la dalle et on se retrouve pour le goûter.
C'est 19h, j'ai un petit peu loupé l'heure du goûter, mais ce que je me suis dit, c'est qu'on allait préparer un petit peu ensemble le goûter, voir ce qu'elle nous a prévu pendant qu'on fait le repas. Pas mal cette bière blanche 1664 sans alcool, je vous la conseille. Il y en a quelques-unes que j'ai testées qui étaient pas mal. Moi, généralement, je prends toujours des bières sans alcool parce que l'alcool, ça me réussit pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on mange pour le goûter apéro de 19h? Pour le goûter, il doit te rester un petit peu de fromage vegan, sauf si tu as bien sûr tout mis dans tes talois. Donc, je te propose de découvrir une association qui est très connue ici, un petit peu particulière, j'espère que tu aimeras. Et tu peux accompagner cette collation d'une poignée d'amandes, ça te rappellera le gâteau basque. Mmh. D'ailleurs, j'attends toujours une recette de gâteau basque vegan sur ta chaîne. Oh mais alors, à quoi ça ressemble déjà un gâteau basque? Il faut que je regarde, merci Margot de me le rappeler. Et du coup, l'association dont elle me parle, c'est fromage et confiture de cerise noire. Alors ça, je l'avais pas vu venir. Je ne connaissais pas du tout cette association, donc je vais faire la petite assiette. Je vais vérifier ce que c'est que le gâteau basque parce que j'ai un doute. Moi, je pense au gâteau nantais, mais c'est pas ça. Ah oui, il y a de la crème pâtissière et j'ai une recette de crème pâtissière sur ma chaîne, donc ça peut se faire. Après, c'est une petite petite croûte biscuitée autour. Ça doit pas être mauvais. Je connais pas, mais à mon avis, c'est facilement véganisable. On se croit au Pays basque, sauf qu'il fait certainement 10 degrés de moins. J'ai pris des libertés. Je me suis dit que ça allait partir en tapas apéro, donc Margot, elle avait conseillé de prendre un fromage. Enfin voilà, le fromage de ce midi un peu façon emmental, mais qu'on va manger froid avec la confiture. Je sais d'avance que ce fromage mangé tel quel, c'est pas ouf, c'est mieux de le faire fondre. On va quand même tenter avec la confiture, ça peut être pas mal. Et des amandes au tamari. Je sais aussi que le Pays Basque, c'est connu pour sa charcuterie. Je me suis dit que j'allais vous montrer de la charcuterie végétale, le salami vegan de chez Happivore, qui est franchement pas mal. La fameuse confiture de cerise noire que je n'ai pas eu de mal à trouver, en tout cas chez Leclerc. Un peu plus, hein. J'y plie comme ça. Bien sûr, vous pouvez manger avec du pain. J'aime bien le mélange. Bah, en même temps, il y a plein d'associations comme ça, sucré-salé, qui fonctionnent bien. Hein. Par exemple, la confiture de figue avec le foie gras. Là, on est un peu dans le même esprit. Les petites amandes. Tamari, c'est pas mal, hein. Ça ajoute un petit truc. J'ai envie de tenter un truc. Un mariage inédit. Parce que ça, tu m'as pas dit si ça se faisait. Mais est-ce que les Basques mangent de la confiture de cerise noire comme ça avec leur charcuterie? Je ne sais pas, ça se trouve, je suis en train là de créer une grosse révolution au Pays Basque en faisant ça. C'est moins bon. C'est moins bon qu'avec le fromage, j'avoue. En tout cas, ces tranches, je les aime beaucoup là, avec les petits morceaux de poivre noir entier là. Qu'est-ce que je cuisine maintenant? On va voir ça tout de suite. Pour le dîner, tu l'auras peut-être deviné avec la liste des courses. Je pense. Poulet, basquaise, voilà. Évidemment. C'est pas très évident de proposer des recettes sans poivrons. C'est vrai qu'il y en a vraiment dans énormément de nos recettes. Et c'est pas que cette saison, mais tu verras, j'ai trouvé une petite astuce. J'espère que tu vas te régaler. Ah oui, je pense. Ah oui, 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 je pense. Et Margot, elle m'a prévu aussi un petit tapas. Alors du coup, j'étais partie déjà dans les tapas, moi, avec le fromage, le machin, la charcuterie végétale. Et avec des piments padrone. Alors là, c'est pas du tout des piments padrone. Hein. J'ai trouvé ce que j'ai pu trouver à Leclerc, mais j'ai pas pu faire grand frais. Ils sont quand même beaucoup plus gros que les vrais piments. Donc on va essayer de les faire dorer quand même plus longtemps pour avoir un petit côté tapas à côté. On va les faire chauffer dans de l'huile d'olive. Donc les poivrons, piments, je sais pas trop ce que j'ai pris, cuisent. Et ben il y a Margot qui m'a posé une question, donc on va y répondre tout de suite. Une petite question pour toi, tu le sais, à l'extérieur, je mange plutôt végétarien, mais à tendance végétalienne à la maison. Et ton compte m'inspire énormément, c'est toujours avec beaucoup de bienveillance, pas de jugement, et merci pour ça. Et j'ai une petite question pour toi, quels sont d'après toi les 5 produits que je pense vegan, mais qui ne le sont pas du tout? Les 5 pièges les plus classiques à éviter. Ah oui, tu as raison. Je vais y réfléchir, mais j'ai la liste, je vais te le dire. Alors premièrement, je vais citer déjà les chips à la moutarde, un petit peu le drame de ma vie parce que j'adore ça, mais je ne comprends pas pourquoi, parce que dans la moutarde, il n'y a pas de lait, mais dans les chips à moutarde, ils trouvent toujours moyen d'en rajouter, c'est hyper chiant, mais sinon, rassurez-vous, dans la plupart des chips, même nature, ou même justement ceux qui ont un arôme un petit peu barbecue, etc., ça peut être végétarien, voire vegan. Un piège qu'on ne soupçonne pas est pourtant la margarine. Il y a plein de margarines qui contiennent du lait, et là, je ne parle pas des traces de lait, parce que ça, il n'y a vraiment aucun souci avec les traces de lait, c'est juste pour des questions d'allergènes, voilà, c'est fait un petit peu dans le même labo. Pour la margarine, il y a des fois des marques qui mettent du lait dans les ingrédients, et ça je ne comprends pas. Il y a mes poivrons qui font la fête là. La sauce Worcester, alors là c'est même pas végétarien dans la plupart des cas, parce que ça contient de l'anchois. C'est bien de vérifier les ingrédients, d'ailleurs dans la sauce barbecue aussi du coup de temps en temps, vu qu'il y a des sauces barbecue qui contiennent de la sauce Worcester, bah, il y en a qui ont de l'anchois. Un quatrième piège, ce sont les bonbons sans gélatine. Là tu te dis, quand tu es végétarien, bah c'est bon, il n'y a pas de gélatine, etc. T'as même regardé s'il n'y avait pas les de E120, c'est le petit insecte écrasé qui donne le colorant rouge, la cochenille.
Mais il peut y avoir un autre ingrédient qui n'est pas vegan pour le coup, c'est la cire d'abeille. Souvent ajoutée en fin de liste qui va donner généralement un petit aspect brillant, bonbon. Et là maintenant tout de suite je pense à la réglisse, aux petits rouleaux de réglisse qui contiennent souvent de la cire d'abeille. Et ça c'est chiant. Cinquième piège, et je vais même t'en donner un petit bonus, un sixième. Parfois dans les chaînes de restauration qui ne savent pas trop faire de vraies pâtes à pizza, il y en a qui ajoutent du lait ou des œufs dans la pâte alors que... il n'y en a pas, évidemment. Normalement, c'est que farine, levain, etc. Et un autre piège, pareil, normalement, il n'y a pas de lait dans la recette originale, c'est le guacamole, et notamment le guacamole industriel. Et là, récemment, j'ai failli me faire avoir au restaurant. Voilà, j'avais commandé un petit bol avec des petits légumes, des crudités, etc. Du guacamole, et c'est un pote vegan qui a demandé au restaurant, au restaurateur, s'il y avait du lait dans le guacamole. Et moi, je lui disais, mais non, mais c'est bon, il n'y en a jamais. Et en fait, si, parce qu'ils ne faisaient pas leur guacamole maison. Bon, déjà, il faut éviter ce genre de resto, mais on sait jamais. Mais voilà, sur un malentendu, on peut finir là-bas. Allez, c'est parti pour déjà décongeler le poivron. On vient hacher un oignon. A few moments later, nos poivrons sont cuits, enfin. Donc on les réserve. Et puis moi, je vais les manger à côté avec le basket. J'en profite, je prends la même poêle pour les oignons. Tu vois, Margot, j'ai coupé grossièrement les piquillos, comme tu m'as dit. D'ailleurs, c'est vraiment sympa, ces petits poivrons. Hein. J'ajoute le reste des ingrédients, de l'ail. On n'oublie pas le laurier et on laisse compoter pendant 15 minutes. C'est qui va se régaler? C'est Bibi! Franchement, bah déjà visuellement ça ressemble. Hein. Je veux dire, hein, on y est. Hein. Franchement, on est pas mal, hein. C'est vraiment réaliste. Hein. Pour les personnes qui cherchaient à retrouver le côté poulet basquaise, avec de bons simili comme ça, ça fait carrément le taf. J'avais fait avec des PST, c'était bien aussi. Mais là, j'aime bien parce qu'ils sont un peu gros, ils sont bien moelleux, c'est top. Bon, moi, la prochaine fois, ce que je ferai, c'est que je ferai griller le simili poulet avant, quitte à le réserver avant d'ajouter la sauce tomate, etc. Mais ça apportera un petit peu plus de goût encore. En tout cas, c'est vraiment très bon. Moi, j'adore. Ouais, il faut que je goûte ça. Bon, ils sont vraiment gros, hein. Je pense que c'est pas du tout comme ça. Le côté tapas. Tiens, vas-y, enfile-toi un poivron. Ça doit pas être ça. Ça c'est bon avec la fleur de sel là. J'aime bien les petits poivrons grillés comme ça. C'est vrai que c'est un bon tapas ça, pensez-y pour l'été. C'est l'heure de se quitter. Déjà, on va voir si Margot m'a prévu une petite conclusion, une petite tisane ou un dessert peut-être. Non, ça va, j'ai plus très faim. C'est parti. Marion, j'espère que tu te seras régalée. C'était donc une journée dans mon assiette, mais à travers les saveurs de ma région. Je cuisine énormément, mais moi, c'est plutôt de l'assemblage. Ça n'a rien à voir avec les recettes que tu proposes, donc j'avais une pression jusque-là. Mais non, j'espère au moins que tu te seras régalée et que tu auras voyagé avec cette journée de recettes. En tout cas, merci énormément pour l'invitation. J'étais trop contente de faire cette vidéo avec toi. J'ai hâte de partager ma vidéo sur ma chaîne. Et j'espère que cette vidéo aura plu à ta communauté. Et je te dis à très bientôt. Bisous. Bon, Margot, t'es vraiment un amour, mais vraiment, fallait pas te mettre la pression comme ça. Après, c'est vrai qu'en y réfléchissant, je sais que je t'ai donné un peu des recettes, pas techniques, mais voilà, qui étaient plus longues que ce que tu m'as donné. Donc, je comprends que t'aies ce sentiment, mais faut vraiment pas. Et je me suis un petit peu calmée avec les années. Là, c'est vrai que je t'ai donné un peu mes recettes phares, etc. Mais sinon, au quotidien, je vais plus manger, voilà, simplement des légumes facilement cuisinés, des petites protes, etc. Bon, en tout cas, Margot, je me suis régalée. Vraiment, j'étais ravie de découvrir les saveurs basques. Et je trouve que c'était une bonne idée d'axer cette journée dans ma assiette là-dessus. Je trouve que ça colle bien, d'ailleurs, avec ta personnalité. Ça amène le soleil, là. On a envie d'être l'été. Là, j'avoue que j'ai une petite frustration de me dire, bon, bah, les poivrons, on va être encore à la période des poivrons surgelés, il va falloir attendre un petit peu, là ça m'a donné envie, donc tu es courageuse déjà de respecter les saisons avec une cuisine comme ça autour du soleil, franchement chapeau. Si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous en masse à la chaîne de Margot, donc You Make Fashion, je vous le redis, sinon sur Instagram il y a You Make Fashion et bien dans mon slip pour des recettes un petit peu simples, healthy, etc. du quotidien. Et TikTok, elle est partout, peut-être sur Facebook, je ne sais pas. Et là je m'adresse à toi ma généreuse communauté, n'hésite pas à déjà faire péter les pouces bleus, ok, mais à commenter avec ta bienveillance habituelle et me dire ce que tu as pensé de cette journée. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui me découvrent avec cette vidéo, j'ai une petite phrase habituelle à la fin qui est un truc, en fait à chaque fois j'improvise, vous allez vite comprendre. Pensez à vous abonner à Pays Basque, enfin, on peut dire ça pour aujourd'hui. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. My time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks.